I was for a very long time passionately in love with her, as I'm sure she's guessed. Every male in the world, and a number of females also were. And we all still are. Et voilà. Oh, ah, coincé. François Hardy. Oh, dude. François. Ah. La voilà. Hey. Oh, man. You work with her. Yeah. Je vous embrasse, Damon. What a pleasure. So good to meet you. Ça va, François? Je suis une grande fan de David depuis, je crois, la chanson Heroes, c'est-à-dire depuis les années 70 et quelques, et que j'ai connu également deux grands artistes français qui étaient des fans de David, à savoir Serge Gainsbourg, qui l'admirait beaucoup et qui d'ailleurs, je crois, a utilisé certains de ses musiciens. Et puis, quelqu'un que David ne connaît probablement pas, qui est Mireille, qui a fait tellement de très jolies chansons, et que j'emmenais au cinéma voir David, et en particulier, nous avons vu ensemble Furio, et surtout Les Prédateurs, qui est un film qui nous a absolument bouleversés. Et qu'encore maintenant, enfin, ça m'est arrivé de le revoir depuis, je trouve que ce film est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas ce qu'en pense David, mais voilà, je voulais simplement dire ça, parce que Mireille, à l'époque, devait avoir 75 ans, pas loin de 80 ans, enfin, et elle était une grande, grande, grande fan, et je l'emmenais au cinéma. Voilà. Well, that's so lovely. Thank you very much. I'm delighted. C'est très touchant. Je suis toujours ce que fait David. Et bon, j'aimerais lui demander, mais c'est peut-être pas une bonne question. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on a beaucoup d'estime pour un artiste. Si parmi tous les disques qu'il a fait, il y en a un qu'il préfère aux autres. Moi, je voulais lui. Il y en a un pour ma part, pour lequel j'ai un faible et qui est Outside. Vraiment? Là, je suis stupéfait. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup Outside. J'ai un penchant tout particulier pour The Bitter of Suburbia. Je me suis beaucoup appliqué avec Adele. C'était simplement nous deux qui avons fait cet album. Et on s'est vraiment défoncé sur cet album. Et c'était pour moi. Le début, enfin, c'est le moment où j'ai commencé à me sentir vraiment à l'aise. J'avais traversé une période difficile en tant que compositeur et tout d'un coup, avec cet album, Brothers of Suburbia, tout a pris forme. Alors, c'est peut-être pas le goût de tout le monde, mais pour moi, c'est un album qui a vraiment une raison d'être importante. Les gens ne savent peut-être pas tous que David produit ou coproduit beaucoup de ses albums, si ce n'est pas tous. Et moi, je l'admire aussi profondément comme producteur, comme réalisateur. Il réalise ses albums et je trouve que ses réalisations sont absolument parfaites. Ouais. Alors, David, qu'on va retrouver évidemment sur scène dans un instant avec un autre groupe qui va nous rejoindre, qui est R. Je sais que vous vous intéressez à l'astrologie, vous lui voyez un avenir un peu particulier à David, son thème. Mais on n'est pas sûr de son heure de naissance. Il y a plusieurs heures en circulation. Vous savez que François est une... Mais j'aimerais beaucoup connaître sa véritable heure de naissance, s'il la sait, s'il la connaît. Vous en souvenez? 7, 4 and 12 o'clock. Alors, soit à 7h, soit à 4h, soit à midi. Au choix. Non, en fait, je suis arrivé en pièce détachée. En tout cas, merci à tous les trois. Vous allez découvrir sur scène maintenant R, qui sont venus spécialement aussi pour cet hommage à David Bowie. Damon, merci d'être venu. L'album est magnifique, je le dis, et c'est extrêmement sincère. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Thank you.